Brothers, sisters, welcome on this second Sunday of Lent, which is February 28, 2021. The radiant scene of the transfiguration of Jesus is described in today's Gospel. Jesus had taken Peter, James, and John to Mount Tabor, a high mountain, when suddenly his face became radiant like the sun, even his clothes. And surprisingly, who appears? Moses, who lived 1,200 years earlier. And Elijah, another great prophet who lived 900 years before Jesus. Both Moses and Elijah appeared and they were talking to Jesus. Also, a voice from heaven is heard saying, "This is my beloved Son, listen to him." This unusual occurrence brings to mind the mystery of Jesus' death and resurrection. Because this is the purpose of this season of Lent, to help us discover the beauty and the power of the great event of Jesus' death and his victory over death, great event. Elijah and Moses are two of the greatest prophets of the Old Testament, and they appear precisely to point Jesus as a genuine, long-expected Lamb of Sacrifice they had announced. The first reading from Genesis narrates another story, the story of Abraham, who was called by God to sacrifice his only son, Isaac. Abraham obeyed God and was about to sacrifice his son when his hand was held and God did so, "Don't harm him. Now I see that you trust me because you went ahead to sacrifice your son at my order." So, and Isaac is a model of Jesus. Abraham is a model of God because God loved us to the point of sacrificing his own son, Jesus, because there is no greater love than to lay down one's life for his friends. So God, but Jesus escaped just like Isaac escaped from death at the last minute. Jesus was risen. Jesus rose from the dead. The last minute rescue of Isaac announces Jesus' return from death on Easter. And as we approach Holy Week, the Church strives to enhance our belief in Jesus as the true Messiah, as the Lamb of Sacrifice. And we are reminded that his ordeal on Good Friday will end up in the victory of Easter. So Jesus' admirable obedience to the Father, just as Isaac's, should inspire us to accept God's will more trustingly. Our vocation to eternal life demands a similar attitude of total trust in God, as exemplified in the example of Noah and in the example of Isaac. Total trust in God in the midst of all our trials and tribulations, our Lenten sacrifices that make us die to sin, will lead us to rise with Christ to a more fulfilling experience of life. Do you believe it? Do you believe it? Meditate on the story of Noah, was rescued from death, from the stormy flood, because he trusted God. And the story of Isaac, may we learn to trust God and to have the assurance
that it is through him that we will achieve the victory of life. Frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons aujourd'hui au deuxième dimanche de Carême, ce 25 février, non, ce 28 février 2021. Le Carême nous conduit aux célébrations du Vendredi Saint et du dimanche de Pâques. Le mystère de la mort, résurrection du Christ est éclairé par les lectures du jour. Dans l'Évangile, nous assistons à la scène de la transfiguration. Le visage et les vêtements de Jésus soudainement deviennent aussi brillants que le soleil. Élie et Moïse apparaissent. Élie, Moïse qui vécut 1200 ans, 1250 ans avant Jésus, et Élie 900 ans avant Jésus, ils apparaissent. Et parle à Jésus, tandis qu'une voix mystérieuse venant du ciel déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Cette scène clairement pointe du doigt Jésus comme le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, représenté ici par Moïse et Élie. Jésus est le Messie, celui qui avait été annoncé, qui devait venir pour sauver l'humanité. La première lecture relatant l'histoire du sacrifice d'Isaac par son père Abraham illustre comment Jésus est le véritable agneau immolé qui sortira vainqueur de la grande épreuve, tout comme Isaac qui, au dernier moment, échappa à la mort. Pour sa lecture, nous sommes amenés à mieux comprendre que Jésus, comme Isaac, consent à mourir, car il fait confiance à son Père. Sa mort apportera le salut des multitudes. Son Père, Dieu, réclame sa mort en raison de son amour invraisemblable pour nos pécheurs. Quand on nous parle, nous écoutons les paroles, mais nous ne croyons pas toujours. Mais nous sommes frappés par le témoignage de vie. Dieu a voulu nous donner un témoignage. Il ne s'est pas contenté de nous dire « Je vous aime », mais il a sacrifié son Fils pour que nous soyons vraiment frappés par l'événement. Le Carême, en fixant le regard sur le mystère central de la mort-résurrection du Christ, nous appelle à la conversion, qui est une mort au péché, aux mauvaises mœurs, aux mauvaises habitudes, à la méchanceté, et une naissance à la vie nouvelle, une vie pure, une vie remplie, et une vie généreuse, une vie imprégnée d'amour. Que nous soyons animés par une confiance totale en ce Père qui veut nous tirer de la mort du péché, comme il a tiré Jésus de la tombe, et pour nous faire participer à la victoire de Jésus, à la victoire de la vie à Pâques. La mort au péché débouche sur la vie éternelle. Accepte l'invitation de Dieu le Père qui nous a donné l'évidence de son amour. Accepte l'appel du Christ le Sauveur qui t'appelle au salut. Va te confesser. Accomplis un véritable repentir au cours de ce carême et ouvre ton cœur à l'expérience puissante et merveilleuse de la grâce qui jaillit du corps du Christ ressuscité. Frère Axel Moyo, à Panguet arrivé le 28 février 2021 et n'a fêté deuxième dimanche carême. D'un coup, nous déjà connaissons que saison carême, là, son saison 40 jours, qui fait une songe 40 jours,
peuple juif là t'est passé pour le racher qu'on sorti en bas esclavage égyptien yo pour le passer dans l'eau dans mer sans le pas péri et puis pour arriver la paix promesse. Et bien nous même tout bon Dieu veut racher en bas de situation côté gain kidnapping côté gain méchanceté côté gain des monde vicieux méchants cap dominer sous nous pour que manquer la vie bonne entente gain des fois même l'enfant mes garçons à fille à goumer au lieu de mettre tête ensemble timoun yo mal élevé pour nous rentrer dans l'autre qualité société mais ça m'a demandé un changement personnel pour que moi même accepter suspendre faire ça qui l'aide ça qui mal pour m'apprendre faire ça qui bien ça qui belle ça qui bon pour moi pour famille à pour tout pays à toute société à. L'église a demandé dans le temps carême là pour nous repentir casser tête tout net peut-être ça demander écouter parole bon Dieu marcher l'église la prière confesser péché mettez l'ordre dans la vie commençons l'autre expérience la vie. Ni nous-mêmes, Timoun, ni ou même jeune Jacques, jeune fille, ni ou même qui gagne l'âge pour marier, pour faire petite, ou même qui passe l'école, qui gagne gros job, changer, tourner des mondes de bien, des mondes bon Dieu aimé, au monde qui gagne justice, qui cherche la paix, qui pas égoïste, qui pas orgueilleux, qui pas vaniteux, mais qui cherche bien communauté, qui cherche, c'est pour nous. Mourir, racher vieux mœurs dans nous, repentir pour entrer dans la vie nouvelle. Peut-être ça, nous avons deux histoires dans la Bible, nous avons l'histoire de Noé. C'est ton temps, quand tu es vraiment un bon monde méchant, bon Dieu tellement mauvais, Libandé repentir. Hein? Nous n'avons pas voulu repentir, excepté Noé. Alors, bon Dieu font bateau parce que bon Dieu pas permettre. Pour nèg de bien en péril avec nèg méchant, ils font bateau pour lui, c'est un coup image l'église. Et puis, il fait la pluie tomber, il y a une grosse inondation, tout le monde périt, excepté Noé qui était dans le bateau. Noé qui était dans le bateau, qui n'a pas péri dans l'eau, dans le temps de l'eau. Alors, c'est exemple que baptême, parce que le baptême est dans l'eau, il y a de l'eau en haut tête, et l'eau en bas de l'eau, ou pas qu'à respirer ou mourir. Mais lors ralo sorti dans l'eau ou respirer ou tourner vivre. Eh bien c'est comme ça bon Dieu voulait nous faire un baptême la repentance sous baptiser déjà eh bien pour confesser péché là mais en paix oui confesser et puis pour qu'un tout nom monde tout neuf où se voit la grâce ou sauvé par la grâce qui peut apprendre nous pour qu'on y ait aucune confiance qu'on y ait aucun bon cœur qu'on n'y a pas fait qu'on n'y ait pas ri pour séparer pour aider les gens qui sont côté de nous, pour tourner un monde de bien, pour tourner la humanité nouvelle. Et l'évangile là, nous est que Jésus a goumé avec Satan, et puis il mettait Satan dehors. Nous-mêmes tous, c'est pour mettre Satan dehors dans la vie. Nous. Alors, moi, invitez nous profiter de ces carême là. Oui, Jean, pays d'Haïti, Haïtien, tout partout, j'en ai besoin. On leur qualité la vie, accepter. Bon Dieu, cap reléo, pour ne pas périr la méchanceté, mais pour vivre la foi, l'espérance, la charité, le remède, la mettre tête ou le service les autres. Accepter changement ça et wagner la vie et la vie n'est allée. C'est pour bon Dieu bénir. Lorsque viendra mon heure, vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas
sublime de la croix.